Je pense là, on est bien. Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester des life hacks. Bien sûr, avant de commencer la vidéo, on va vérifier ensemble si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube et si vous avez cliqué sur la petite cloche. Ça, c'est très important pour pas rater mes prochaines vidéos. Alors, je vous laisse 10 secondes pour vérifier. Ah, c'est bon, c'est fait. Ah bah c'est nickel, super. Maintenant, on pourra commencer la vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai préparé 3 life hacks que j'ai vus sur TikTok et j'avais trop envie de les tester parce que c'était les plus marrants que j'ai pu voir. Et donc c'est parti, on va faire ça tout de suite. Je vous les montrer au fur et à mesure de la vidéo et puis après je vais tester pour voir si ça fonctionne ou pas. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça vous me direz en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît et ce que vous voulez d'autre comme vidéo. Et moi je vous souhaite un très bon visionnage. Donc là je vais vous montrer le premier TikTok. C'est parti, on regarde ensemble. Donc ça, ça va être le premier life hack qu'on va tester aujourd'hui. Pour ça, il vous faudra juste de la colle. Et en fait, comme vous avez vu sur la vidéo, bah, la fille elle a réussi à se faire des belles lèvres à la Madeline Klein, ou je sais plus comment elle s'appelle, mais la fille qui joue dans Outer Banks. Et je vous jure, c'est incroyable, genre d'avoir des lèvres comme ça. Moi, vous voyez, j'ai des petites lèvres. Bon, merci la génétique. Il y en a, ça rendait beau sur TikTok, et il y en a, ça rendait trop moche. Du coup, bon, on va tester ça tout de suite. Peut-être que ça va m'aller, tous les matins j'ai commencé à me coller la lèvre dessus, comme ça on sait pas. Hein. Du coup je suis allée chercher ma petite palette pour le miroir. Et puis une colle, comme ça j'ai pris celle de chez Primark, je trouve que c'est la meilleure pour coller les fossiles. Donc je me suis dit, voilà, je vais prendre celle-ci. Aussi je tiens à m'excuser si des fois je regarde pas dans la caméra mais ici, parce que du coup je me vois et c'est compliqué de m'habituer. Du coup, dans la vidéo, elle en avait mis juste au-dessus comme ça. Et genre, elle avait juste plié comme ça, là. Je pense que je vais faire que celle du dessus, parce que celle du dessous, elle est... ça va, elle est bien. En plus, si je le fais plus, ça va être trop moche, genre... ça va être trop fake. Là, ça brille et tout, en plus. J'ouvre comme ça, là, et j'en applique au-dessus, genre juste au-dessus. J'aime pas faire des trucs comme ça, hein. Genre, j'ai peur de rester comme ça, après. Imaginez, ça me donne des boutons. Désolée encore pour les bruits dehors, parce que wesh, on dirait vraiment que j'habite sur une autoroute. Bon, là en vrai j'en ai vraiment mis beaucoup je pense. Regardez. Ah, j'ai peur, ça commence à piquer là. Regardez, j'ai mis tout au-dessus comme ça. Bon du coup, je laisse sécher un peu. Est-ce que c'est bon là? Je sais pas si je dois attendre plus ou pas. C'est parti, on essaye. Oh, wesh. Je sens que ça va être drôle. Ça colle, je vous jure ça colle. C'est normal. C'est comment? Ah attendez, c'est hilarant. Attendez. Genre, je suis là, je suis chez moi. On est jeudi ou mercredi même? Je sais plus. Je sais même pas quel jour il est. Je suis là, je suis en train de faire une vidéo. Je me fais des lèvres. La dingue! Mais regardez, mais c'est quoi ça? Ils vont te regarder. Ouais, il. Oh, mais j'ai un clown. Non mais normal tu fais ça pour Halloween hein. Je fais peur à tout le monde. Imagine que tu sors comme ça. Faut que je fasse un prank à ma mère. Je vous jure je peux pranker ma mère avec ça. Je lui dis ouais j'ai surfé la bouche et tout. Oh, regardez ça tire bien en plus. Non mais par contre genre on dirait j'ai une couche. J'ai une couche. Salut ça va. Je vous jure j'ai tellement mis beaucoup de colle que ça se décolle pas. Ouais, carrément, elle est descendue bas comme ça. Faut que je trouve un truc pour retirer là. Donc voilà, premier life hack terminé. Franchement, c'était cool, c'était drôle. Mais c'est archi pas le truc que tu vas faire le matin. Comme ça, tu vas partir avec ça. Parce que de une, c'est sûr que ça va pas tenir. Et en plus, c'est moche. C'est trop moche. Franchement, moi, je pense que les injections, tout ça, c'est pas du tout mon délire. Je trouve ça horrible. Je trouve ça pas beau. Après, voilà, faut doser aussi. Hein, mais alors là, j'ai vu ce que ça pouvait donner sur moi. Ça m'a permis de voir et non, non, j'aime pas. Donc on passe au deuxième life hack que je vais vous montrer tout de suite. Et donc voilà, ça c'est le deuxième life hack que je voulais tester. Je trouve qu'il est trop bien, genre en mode si ça marche vraiment et que le matin tu peux te réveiller, t'en mets un peu partout et après ça donne un effet comme ça, un peu rose et tout. Franchement, ça peut être pas mal. Et en plus, j'ai ce rouge à lèvres là, enfin ce... Bref, je sais même pas ce que c'est et on va du coup tester ensemble. C'est parti. Donc moi, j'ai celui-là, c'est le
Red Rose ou non, Cherry Red, je sais pas. Il y a marqué deux trucs. Ah, c'est hyper pâteux, j'avais oublié. Ah non, non, non. Ça veut plus remonter. Ah si, voilà. Si quelqu'un il sonne ou il entre, franchement, j'ouvre même pas la porte. Je vous jure, j'ouvre pas la porte. Je serais même pas vous parler. Et à quoi je joue, sérieusement? Ça va sur les yeux, je crois aussi, ouais. Franchement, c'est horrible. Non, mais qui a appelé? Qui a invité à faire ça? Voilà. Elle est sèche aussi, je crois. Ouais. Bon, là, je vois que ça commence vraiment à être sec. Du coup, je retire. Bon, alors, du coup, j'ai réussi à tout retirer. Et là, vous voyez, l'effet, il est horrible. Genre, c'est pas du tout. C'est pas comme ça que ça doit être. Hein. D'abord, bien sûr, je dois estomper. Et c'est après qu'on aura le résultat. Non, mais ça, on met partout à côté. Pas que ça part pas. Les gars, je peux pas continuer la vidéo là. Y'a rien qui va. Oh là 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 là. Bon, les gars, j'ai réussi, mais pas totalement. Regardez, on voit encore, il y a des taches et tout. C'était une catastrophe. J'ai dû laver mon visage, mon mascara il est parti. Mes cils, ils sont... enfin, mes sourcils ils sont partis, tout est parti. Là j'ai une tête de gogol. J'avais bilé mes sourcils mais n'importe comment la dernière fois, donc j'en ai presque plus. Là en fait je me massime à un niveau vous imaginez même pas. Et bref, du coup là maintenant il va falloir que je fasse le troisième life hack au-dessus de ça, là au-dessus de cette catastrophe. Mais normalement ça va parce que c'est un teint. En fait c'est, je vais me faire un teint. C'est une technique en tourbillon, genre c'est hyper intéressant, je vais montrer ça tout de suite. C'est parti. Franchement ça lui fait un teint de malade, du coup j'espère que ça a marché. Ça fait peur presque. Mais imaginez pour de vrai la gestion, ça fait un truc super beau et tout. Non, je peux pas y croire. Bon, c'est parti. Là, on va passer à l'estompage. On va estomper tout ce désastre et voir est-ce que ça me fait un teint de ouf ou pas. Et en vrai, ça a l'air trop bien. Mais d'un côté, j'ai peur. Là, je me dis, oh, j'ai sacrifié tellement de trucs là, tellement de make-up. Bon, oh là 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 là, j'ai fait un clown tueur. Regardez, mais c'est horrible. Pourquoi j'ai du bronzer en dessous des yeux? Mais elle, ça rendait pas pareil. Hein. Non, je pense franchement, elle a déliré. Après, elle a dû refaire derrière la caméra. Moi, j'en sais rien. Encore au niveau des joues, je trouve que c'est l'endroit le plus potable si t'estompes bien. Mais non, mais là, par contre, hey. Je sais même pas pourquoi tu peux avoir du bronzer dans des endroits comme ça. Ça fatigue de ouf. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est une catastrophe. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai jamais vu un truc aussi laid de ma vie. Franchement, j'approuve pas du tout. Elle avait un beau truc. Peut-être c'est les produits que j'utilise, je sais pas. Ou peut-être elle a refait un truc derrière la caméra. Franchement, j'en sais rien. Là, le seul truc qui a vraiment bien fonctionné, je trouve que c'est le premier life hack. Là, les autres, n'importe quoi. Mais regardez ma tête, en fait. Et je vais me démaquiller tout de suite, hein. Bon les gars, ma tête là elle est horrible, franchement je me suis fait trop mal là, ma peau elle est en train de souffrir, il faut absolument que j'aille rincer, me faire un masque etc etc pour remettre tout ça en place. Et franchement c'était pas ouf les life hacks là, je pensais que ça allait être mieux que ça, mais c'est pas très grave. Si vous aimez ce genre de vidéo, dites-le moi en commentaire, comme ça je vais refaire avec des nouveaux, peut-être pas forcément dans le make-up mais dans la cuisine et dans plein d'autres trucs. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo et si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager et à lâcher un petit pouce bleu pour me faire plaisir. Et voilà, donc moi je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye !